Ça n'a pas, ça pas. Tout le monde s'élève. Le premier magistrat de la commune de Yungoubon, M. Adama Bitoko, et l'ensemble de son conseil municipal, nous sommes très heureux de vous accueillir dans nos salles de mariage. Que Dieu vous bénisse. Le maire se prend des jours de Mme Django. Mme Django est la 7e avec Gérard Kona et Mme Leocadi Kango, épouse du Yao. Voilà. Mme le maire, vous avez la parole avec une co-civile Ivoire. Photographe. Pardon, digne de l'histoire sur le cas de Mme, vous avez la parole. Nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités étant remplies, nous allons procéder au mariage de M. Kwaku, François Kwaku, avec Mademoiselle Nguessan, Antoinette Nguessan. Du 26 juin 2019, sur le mariage, nous allons vous donner les tuiles des articles 45, 51, 52, 56 du Code civil relatif au droit de voir les époux. Article 45, les époux s'obligent à la communauté de vie, ils se donnent mutuellement, fille députée, secours et assistance. Article 51, la famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, promouvoir l'éducation des enfants et préparent leur avenir. À 10-50 000, les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leur faculté contributive. Chacun des époux s'appuie de sa contribution sur la ressource dont il a l'administration ou par son activité au fond. Si l'un des époux ne s'acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration, l'autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de procéder à saisir de salaire ou rémunération et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage, une partie du salaire, du produit de travail ou des revenus de son conjoint. Article 56, l'autorité de la famille est choisie d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, l'autorité de la famille est fixée par le juge en tenant compte de l'intérêt de la famille. Voilà, monsieur et mademoiselle. Mademoiselle, vous descend, Antoinette, vous descend ici, présente. Oui, je le veux. Mademoiselle, vous descend, Antoinette, vous descend. Concentrez-vous à prendre vos réponses. Monsieur Kwaku, François Kwaku, ici, présente. Oui, je le veux. Voilà, monsieur et madame, vous le venez complètement là. C'est un jour, hein, c'est pas grossement. Vous le mettez complètement là. Voilà. Et à présent, vous pouvez embrasser votre épouse. Monsieur, vous la fermez, madame, ce soir. Pas aujourd'hui. Félicitations au couple Kwaku.
Mais c'est tellement beau, Kwaku, François Kwaku, mademoiselle Nguessa, Antoinette Nguessa. Bravo. Mais félicitations, comme je disais, félicitations à vous, beaucoup de bonheur. Ah, sans la joie en vous, c'est bon. Que Dieu vous accompagne, hein, comme tout à l'heure, vous serez à l'église. Il doit y avoir la voix plus autorisée que la mienne, hein, donc encore plus de messages, de beaux messages. Hein, comment on doit se comporter, comment on doit s'accompagner. Et je crois que le pasteur est bien. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur à Jésus. Monsieur Kwaku, le couple Kwaku, et Dieu vous assiste. On a dit ici respect, on a dit fidélité, on a dit c'est tout, on a dit assistance. Par exemple, tout le monde a dit fidélité, c'est tout, assistance, respect. Très important. Je sens que c'est bon. Oui, monsieur. Voilà, on va comme ça.